Dieu parmi les hommes, toi sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Dieu parmi les hommes, viens sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens. Proche est ton royaume, viens, viens, viens. Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux? Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains? Proche est ton royaume, viens, viens, viens. Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins. Proche est ton royaume, viens, viens, famille de justice, qui aura ta faim, pour vaincre le poids de la reine, qui vaudra ta croix. Dieu parmi les hommes, viens sur nos chemins, proche est ton royaume. Proche est ton royaume, viens, viens, viens. Voici que le Seigneur viendra dans la lumière. Il vient pour visiter son peuple, pour lui donner la paix et la vie éternelle. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour, mon Père. Maintenant, nous rassembler pour nous demander, bon Dieu, grâce avec sagesse pour nous capables préparer route, pour nous capables recevoir, bon Dieu, grand maintenant, les mêmes qui cap vini pour y habiter parmi nous, dans le cœur nous. Mais nous avons des bon Dieu pour bon Dieu nettoyer nous, purifier nous, pour nous capables de recevoir Seigneur nous, hein, Jésus-Christ. Avant de commencer la célébration, on nous reconnaître devant bon Dieu que nous tous, nous sommes pécheurs. Pendant on a dit ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui est
vie, qu'elle a valu le sang abri. Dans la chaleur et le confort, on a oublié de sa vie. Ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre, lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 48, des versets 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Dieu Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et tes descendants nombreux comme les grains de sable. Ton nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous allons prier dans le psaume premier et nous disons ensemble. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprendra réussira. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mettons-nous debout pour l'acclamation de l'Évangile. Allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, alléluia, alléluia,
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclarait aux foules : À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui interpellent d'autres. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préparez les chemins du Seigneur, car il vient. Frère avec ce mio, non. Évangile, nous sommes écoutés matin. Nous avons l'étudié, demandé nous pour nous éviter de gagner en tête nous tout esprit de contradiction. Parce que, en pile fois, nous avons gagné. Monde là qui est toujours prêt à toute critique. Et nous voyons qui Jean dans l'évangile de Matthieu, côté gagné deux comparaisons qui faites. Jean-Baptiste avec Jésus. Jean-Baptiste, lui-même qui gagné comportement pâle. Jean-Baptiste qui était venu. Eh bien, il était mené une vie qui étrange, une vie de prière rigoureuse. Côté qu'il n'y a pas ni n'en manger, ni n'en boire. Avec moun, ni n'en chita, dialoguer ensemble avec moun, mais il critiquait quand même. Et nous, ouais, Jésus lui-même qui était venu et il menait une vie qui est normale. Et on vit côté que li chita ensemble avec tout le monde. Li manger avec yo, li boire avec yo, et yo critiquer le tout pour comportement ça. Mais femme avec ce mio, dans la préparation que n'a fait, nous-mêmes chrétiens, je ne jodia, les n'a marché sous chemin bon Dieu, donc faut nous pas quitter critique, et bien faire nous virer d'eau dans le chemin. Parce que sagesse bon Dieu a lui-même lui révélé à travers émission que bon Dieu lui-même lui confie nous. Et Jean-Baptiste qui était mené vie ça qu'elle t'a mené et il était considéré comme un monde qui fou parce que il était gagné une vie rigide que l'il t'a mené dans la prière et il t'a prêché tout le monde la conversion et c'est à travers conversion eh bien Jean-Baptiste a invité Mounio pour être capable de préparer cœur pour recevoir si là les mêmes qui gagnent pour venir et il était considéré comme un fou, il n'a pas accepté et il était rejeté et Jésus-Christ lui-même qui vient eh bien nous Jésus lui mène une vie normale. Li chita avec tout le monde et li
t'a prêché, ça nous relait, eh bien, le banquet messianique, côté que tout petit bon Dieu gagne pour y chita ensemble, sans distinction, pour y manger, pour y fêter. Parce que c'est ça que bon Dieu lui-même l'a réservé pour tout le monde sous Fastéa. Et Jésus, il t'a déjà montré nous, dans l'exemple que lui baille, mais qui Jean, eh bien, que dernier jour à pied, côté que bon Dieu lui-même l'a préparé, yon caille, pour tout le monde pour le recevoir, eh bien, mais qui Jean forme de vie, beaucoup de bon Dieu a eu. Donc, Jésus-Christ lui-même, c'est ça qu'elle t'a prêché. Mais malgré tout, yo dit que li c'est un glouton. Li c'est un ivrogne parce que li chita, li boire, li manger avec moun qui n'en péché yo, moun publicain yo. Donc mais Jésus malgré toute critique ça yo, li pas quitté et bien critique ça yo influencé pour être capable faire mission que bon Dieu grand maître là t'es confié. Frère, avec ce mio, eh bien, message, ça, l'y inviter nous, nous-mêmes, chrétiens, jeunes et jodia, pour ne pas quitter nous, influencer dans critique que mon abaye sur nous, parce que, d'après l'évangile là, monde là, l'y t'en coup, yon bon petit monde petit qui va gagner, eh bien, trop connaissance. Qui pas comprennent rien nan rien. C'est un coup des moun qui ont côté et bien yo bat tambou, yo passe musique pour yo et bien yo pas connaît pour yo danser. Et bien c'est même moun ça yo tout. Yo rivé en côté yo chanter des chants de deuil. Donc yo pas connaît qui gens pour yo comporter yo à chaque condition yo et bien qui gens pour yo adapter yo gen moun qui a critiqué yon bagay et yo critiqué contre bagay la en même temps ça veut dire moun nan li pa konnen qui ça que li vle donc c'est ça qui fait donc Jésus nous li à travers évangile là li mandé à qui ça que li ta capable comparer génération ça et nous li comparer là avec des gamins et bien qui pas gagné sagesse bon Dieu a qui animé yo pour capable et bien fait une différence entre ça que yo vle avec ça yo pas vle donc en pile monde qui critiquer qui là pour critiquer c'est pas des monde vraiment vrai qui connaît exactement qui ça yo besoin qui ça yo vle vraiment donc vraiment avec ce mio en nous mandé bon Dieu grand maître là pour lui dans nos forces dans préparation tant l'avance à qui n'a fait pour nous recevoir bon Dieu grand maître là qui vient pour venir pour ne pas quitter nous influencer si n'a pas la prière bon Dieu pour nous mettre toute confiance nous totalement dans bon Dieu sans que nous pas coûter ça mon a dit pour dévier nous parce que en pile fois critique mon a dit qu'on a eh bien, tout mentir l'esprit, nous, qu'on fait nous tomber dans la contradiction, qu'on fait nous poser des questions, est-ce que vraiment le chemin que nous prenons, est-ce que c'est lui-même qui est bon? Oui, chemin bon Dieu, c'est le meilleur chemin pour un chrétien lui-même qui prend. Femme avec ce mieux. On nous demande, bon Dieu, grand maître, la force, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, maman bon Dieu, maman l'Église là, et maman, tout chrétien, dans nos papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. Et le temps des semences, il a fallu le blé
sous le soleil d'été, la faute du moissonneur et la farine blanche, le travail des hommes pour que vienne ce pain. Voici le pain qu'assemblent nos offrandes, le pain de notre vœu, le pain de notre amour, le pain de notre joie, les larmes et les joies, et l'histoire de nos cœurs, pour le monde meilleur. Pour nos soeurs de Cana, se fait la grande fête, mais quand le vin manque, on se tourne vers toi, allez chercher de l'eau. Faites la beauté, il nous faut des bons vins pour faire ce repas. Il nous faut des bons vins pour faire ce repas. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur. Par nos prières et nos pauvres offrandes, nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidore, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos frères et sœurs à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur Dacène Pétiote, Xavier Delance, Chafili Louis, Vincent Vio, Francisca Naëli Silla, Ricardo Charles, Gisèle Gaznor, Martine Milfort, Villebois-Denis, Raphaël Ambroise. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos frères et sœurs qui célèbrent l'anniversaire de leur mariage. Nous implorons ta bonté sur Willy et Solange Delva, messieurs et madame Emmanuel Tello, messieurs et madame Jean Lespinas, Loretta Pierre. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Nima Antoine, messieurs et madame Audnel Eldine. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire de mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
voix l'entrée en dedans pour que tout le tienne. Mais l'approcher est là, libère mes lilas. Réveillez-nous.
louange m'a chanté, m'a chanté louange pour la main tout bon Dieu, m'a dit j'en ai grand, j'en remets nous tout temps. Reconnaissance pour cette Eucharistie. Nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Fais avec ce mieux, mais annonce que nous gagnons pour nous pour dimanche 12. Décembre à 5h30 dans l'après-midi, a gagné un final concours chant l'église là, qui a gagné pour fête. Nous invitons toutes pour venir supporter Atisio en foule et cap pour bailler autorisation pour entrer disponible dans le secrétariat. Merci à nous toutes. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bonne méditation à vous tous. Jésus dit veille, par état dormi, la vie qu'on venait. Jésus dit veille, par étape dormi, la vie qu'on vole, pingale étape dormi.